Tête d'affiche de la série Ici tout commence sur TF1, Frédéric Diefenthal, qui réside désormais dans le sud de la France à Palavas-les-Flots, a dévoilé un cliché de la personne qui a récemment volé son vélo sur les réseaux sociaux. Né le 26 juillet 1968 à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, Frédéric Diefenthal est un visage emblématique du cinéma et de la télévision française. Il reste aujourd'hui principalement connu pour son rôle d'Émilien dans la célèbre saga cinématographique Taxi. Un personnage de policier gaffeur qu'il a incarné dans les quatre premiers volets de cette franchise à succès. Désormais, celui qui était abonné au rôle de policier par le passé est devenu l'une des têtes d'affiche du feuilleton quotidien emblématique de TF1, Ici tout commence. Au sein de ce programme lancé en 2020 sur la première chaîne, Frédéric Diefenthal incarne le rôle d'Antoine Myriel, qui occupe les fonctions de directeur adjoint de l'Institut Auguste Armand. Résidant auparavant à Paris, Frédéric Diefenthal a récemment pris la décision de quitter la capitale afin de s'installer dans le sud de la France, pour des raisons essentiellement pratiques. Il s'est ainsi rapproché des plateaux de tournage d'Ici tout commence. Quand Ici tout commence a été bien installé, Jay a arrêté les allers-retours, pour m'installer avec femme et enfant du côté de Palavas-les-Flots. À 20 minutes de mon lieu de travail, avait expliqué le comédien dans les colonnes du magazine Télé 7 jours. Résidant désormais du côté de Palavas-les-Flots, dans le département de l'Hérault, Frédéric Diefenthal fut récemment victime d'un vol. En effet, un individu mal intentionné lui a dérobé son vélo. L'acteur a exprimé sa colère à ce sujet sur les réseaux sociaux le dimanche 30 juin 2024. Ce jour-là, il a dévoilé une photo du voleur en question à ses abonnés sur Instagram. Frédéric Diefenthal lance une alerte générale sur Instagram suite au vol de son vélo. Alerte générale. Si le monsieur qui a volé mon vélo avait l'amabilité de le remettre où il l'a pris, ce serait bien aimable. A également écrit Frédéric Diefenthal en guise de légende pour ce cliché. Un petit clin d'œil qui n'a pas manqué de faire plaisir aux nombreux fans de la saga cinématographique Taxi, même si la réplique alerte générale, n'est-ce pas celle de son personnage à l'écran. Sur la fameuse photo publiée par l'acteur, les internautes ont pu voir le voleur, de dos, filmé par une caméra de vidéosurveillance. Il était en train de partir au guidon du vélo rouge de Frédéric Diefenthal, qui est reconnaissable entre mille.